Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. De nouvelles mesures très strictes, on entendait avec Guillaume Perrault. Quel motif justifie justement ces nouvelles mesures ? Un motif, c'est le pire des motifs, c'est la tension sanitaire qui existe et qui monte principalement sur l'île de Cayenne, ainsi sur la communauté de communes des Savanes. Nous sommes dans des taux d'incidence qui sont à plus de 630. Ça n'était jamais atteint en Guyane. Et les aléas de préparation font qu'on craint d'atteindre des taux quasiment ce qui est connu un petit peu dans les Antilles, Martinique et Guadeloupe, autour de 1000. Nous avons un taux de reproduction aussi de 1,30, c'est-à-dire que ce virus est ultra virulent, ultra capable de se transmettre d'homme à homme ou de femme à femme à très haute vitesse. Est-ce que la fermeture des bars et des restaurants, qui est annoncée donc dès ce samedi, est la seule solution aujourd'hui ? Alors la seule solution, c'est d'abord le couvre-feu, c'est de limiter l'ensemble des relations humaines. On agit principalement sur tout ce qui est loisirs, hélas. Croyez-moi, c'est toujours très difficile d'annoncer ce type de nouvelles. Mais c'est des nouvelles de restrictions, de déplacements, de temps de couvre-feu, de ne pas voir les autres automatiquement. Peut-être de consacrer qu'au travail, mais c'est pendant 15 jours. Mais le souci, c'est, ça va être de sauver des vies. On observe excessivement ce qui peut se passer aux Antilles, enfin ce qui se passe aux Antilles, qui pourrait se passer en Guyane. Il y a une véritable crainte, car il y a des très fortes similitudes. Et nos confrères des Antilles, c'est 8 à 9 morts par jour actuellement. Oui, en Martinique, tout à fait. Quelles sont les prévisions pour la quatrième vague, monsieur le préfet ? On est déjà dans la quatrième vague. Elle a débuté. Le couvre-feu de dimanche a eu un effet. C'est évident, on le sait. Au niveau départemental, on a un taux d'incidence qui est entre 360 et 380. C'est excessif, mais ça ne l'est pas dans un contexte international. Mais on a des points forts. Et la loi m'autorise à pouvoir différencier sur la Guyane, qui est un énorme territoire, grand comme la Nouvelle-Aquitaine, si vous voulez, si on compare ça avec l'Hexagone. Et là, on a la chance de pouvoir fractionner le territoire. C'est-à-dire que l'Est et l'Ouest sont en zone verte. Ils peuvent vivre naturellement. À un moment donné, vous savez, l'Ouest était en zone orange et Cayenne, Kourou, les savanes étaient en zone verte. Donc on voit bien qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'il y ait le maximum de liberté dans les gens, mais tout en conservant évidemment l'idée qu'il faut vivre complètement et sans Covid. Vous parliez tout à l'heure de la Martinique qui a atteint un stade où il y a 10 personnes qui meurent chaque jour. C'est important. On n'a pas encore atteint ce stade, nous, en Guyane. Du coup, est-ce qu'il n'est pas trop tôt, justement, pour appliquer des mesures aussi restrictives ? Alors, il faut taper tôt pour obtenir des résultats. C'est ça principalement. C'est ce qui a été dit en CIC. On a des indicateurs qui pourraient paraître bons, mais déjà l'hôpital commence à être en tension. On va devoir commencer à faire des évacuations préventives, parce que si ça continue à ce rythme-là, et la semaine prochaine va être essentielle. On prend un tout petit peu d'avance pour éviter de prendre beaucoup de retard et éviter vraiment beaucoup de dégâts et de décès. Alors ces mesures sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vous fixez quand même une date à laquelle vous allez peut-être envisager un assouplissement, notamment pour les bars et restaurants qui doivent réouvrir ? Alors on a déjà posé la première partie avec une clause de revoyure dans 15 jours. C'est là où on voit les effets, on connaît le cheminement, hélas, des virus qui sont de plus en plus rapides. Souvent, des gens, hélas, rentrent à l'hôpital pour aller directement en réanimation, tellement les états sont dégradés. On le suit au jour le jour. On va le suivre par demi-quinzaine, en quelque sorte. Et si on peut, on relâche toujours. Vous avez le pass sanitaire qu'on a décalé très rapidement d'un mois pour que les gens s'organisent. Donc ça va être peut-être l'occasion de dire comment on va sortir de cette période de 15 jours avec des ouvertures. La présidente du MEDEF a fait des propositions qui sont très, très fines, très intelligentes, de s'adapter. On vit dans la Covid, mais on ne peut pas vivre avec la Covid. Il faut vivre contre la Covid. Et je rappelle toujours que la vaccination est actuellement le seul moyen. Et on serait vraiment prêt à en trouver un autre, mais pour l'instant, c'est le seul qui persiste et qui fonctionne. C'est cet ensemble de mesures qui va nous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair. Merci beaucoup, Thierry Kipelec, d'avoir répondu à nos questions.